Alors, configuration de ma souris. J'ai une souris. Comment je fais déjà? Logitech MX Ergo qui fonctionne avec le petit adaptateur pour l'instant. Je trouvais que c'était très lent, trop lent de rouler. Donc là c'est mieux. Je peux le rendre encore plus rapide. Pour ça, alors je vais vous montrer la manipulation. Pour ça, j'ai installé Imuil et ensuite j'ai édité le fichier Imuil RC. Et là, il faut mettre ça. Donc ça fait une sorte de mapping et ça c'est la vitesse, il me semble. Je sauvegarde. Et maintenant, je relance, donc je tue Imuil et je relance Imuil que pour les boutons 4 et 5, qui sont les boutons de rotation. Voilà. Et maintenant, ça scrolle encore plus vite. Ce qui est intéressant, c'est que, alors je voulais aussi montrer, alors il a fallu ensuite, application de démarrage, rajouter ici la petite fonction Imuil bouton 4 et 5 au démarrage. Il y a aussi ça que je trouve intéressant quand on lance XEV qui est un logiciel et ensuite qu'on récupère toutes les informations bouton, tout ce qu'on fait ici avec la souris sera détecté. Donc par exemple, si j'appuie clic gauche, ça me met button 1. Clic droit, ça me met button 3 et ça peut nous permettre de modifier par la suite les boutons. Alors, chose que j'ai faite mais qui ne m'intéresse plus trop, c'est ça. J'ai modifié Nano X Bind Key pour Page Up, Page Down. J'ai associé le bouton 9 et le bouton 8 à ça. J'aurais pu les associer à autre chose, hein. Et voilà. Ça ne m'intéresse plus trop parce que maintenant la roue fonctionne plutôt bien. J'en suis plutôt satisfait. Et donc je vais enlever ça. Je ne sais pas trop comment faire. Je pense que je vais juste les mettre en commentaire. Voilà, je vais kill all. Et ensuite, je relance. Et maintenant, si je vais là, normalement, si j'appuie, parfait, ça revient à la page précédente. C'est super. Donc, je peux associer contrôle, alt, je peux associer tout plein de boutons à la souris, sauf que c'est pas intéressant parce que comme c'est avec l'index que je les utilise, ça voudrait dire que ouais, qu'à moins d'appuyer sur contrôle clic droit, un bouton clic droit, mais sinon ça ne m'intéresse pas trop, en tout cas pour l'instant. Je vais voir si je peux trouver d'autres combinaisons qui me conviennent davantage. Et il me semble que ça aussi, c'est dans application de démarrage. C'est ici. Ça par contre, ça l'a rajouté tout seul. Donc, X bind key auto start. Voilà, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais je ne sais plus trop quoi. Et il me reste le Bluetooth à faire fonctionner, qui ne fonctionne pas pour l'instant, mais c'est à peu près tout. Ok, merci d'avoir regardé.